C'est l'heure du choix sur votre télévision, sur Ecofin Télévision, le magazine consacré aux élections en République démocratique du Congo. Ici, nous recevons les candidats à tous les niveaux de ce processus électoral dans notre pays pour l'année évidemment 2023. Et pour cette émission, j'ai reçu sur ce plateau un candidat à l'élection législative nationale dans la circonscription des Moamba, ici à Kinshasa. Il s'agit de Monsieur Jean-Claude Nkunda Kabengele. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être ici sur Ecofin aujourd'hui. Vous êtes donc candidat à cette élection législative nationale dans la circonscription de Moamba numéro 141. Alors, la toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a motivé votre candidature, surtout dans la circonscription de Moamba? Merci beaucoup, cher Patrick Lumbala. Je suis très heureux d'être dans ce plateau si magnifique et thématique aussi. Et premièrement, ce n'est pas une première fois que je suis candidat. Donc nous avons tenté depuis 2011, 2018 et aujourd'hui en 2023. Déjà, vous avez le contexte qui a fait que 2011 et 2018 ne nous a pas mis dans de bonnes conditions et surtout que cela a été compris. Hein. Nous sommes déjà informés sur des nominations que Nang a reconnues tout en étant dans le sac. Et la motivation, elle était déjà au départ, puisque nous avons fait des analyses, nous avons vu que notre pays avait déjà atteint les trois critères d'un pays en voie de développement. De disparition en tant que nation. Nous avions tous les trois critères et nous l'avions aussi décrié. Quel genre de critères? Nous étions déjà un pays dépendant sur tous les plans. D'abord arriéré, arriéré sur tous les plans, dépendant au point que même Tonga Oyo, il fallait qu'il ait ou tard quelque part à l'extérieur du pays. Et nous étions aussi sinistrés. Et vous voyez, même l'air que nous avions eu à respirer était pollué. Donc il fallait naturellement que nous puissions sortir de ce bourbier. Et nous, en tant que fils du pays, nous avons été motivés par la démarche de postuler. Et nous avions tenté la première, la deuxième, et voilà que nous sommes à la troisième tentative, puisque nous avons beaucoup de projets dans notre jubessière. N'oubliez pas que nous sommes aussi initiateurs de plusieurs organisations, notamment nous sommes... On va parler de toutes ces initiatives, mais restons d'abord dans la circonscription de Moamba, parce qu'ils sont très nombreux, ceux du Moamba qui sont en train de nous suivre en ce moment. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous venez proposer de nouveau par rapport à ceux à qui ils avaient confié un mandat en 2018. Déjà, je sais que les amis, les frères, tous ceux qui nous suivent savent aujourd'hui que quand on est candidat et on se dit pour la troisième fois qu'on veut à tout prix récupérer ce pouvoir législatif, c'est avec beaucoup de raisons rationnelles. Notamment, vous savez que rien que Moamba, puisque quand on parle de Moamba, Moamba aussi a des problèmes, a ses problèmes. Justement. Propres. Et notamment, il y a le problème lié à l'électrification de manière générale. Il y a de sérieux problèmes sur l'assainissement, ce qui devient aussi un problème général. Et croyez-moi, avec ça, nous avions déjà eu à élaborer un programme qui a été édité à l'édition universitaire européenne sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. En 2017, avec possibilité de faire transférer le modèle dans d'autres provinces. Donc ça nous permettra de valoriser le déchet, puisqu'il y a une dimension particulière que nous avons essayé de mettre pour finalement qu'on arrive à créer d'emplois, qui va aussi permettre, et qui est sur le plan de l'environnement, des réponses, sur le plan de l'économie,
aussi des réponses, puisqu'il y a trois volets dans ce que moi j'appelle l'assainissement. Il y a l'assainissement environnemental, il y a l'assainissement aussi économique. Et il y a même le point sur l'agriculture. Dans l'assainissement économique, il y a... Surtout, ça nous intéresse beaucoup. Ça vous intéresse, c'est là où je vais peut-être donner quelques éléments. Vous savez, nous avons été invités à l'ambassade de Suède. Je crois que les documentaires pourraient passer peut-être avec vous. Où nous avons, été invités, puisque les Occidentaux ont compris qu'un de fils, un Congolais, qui a beaucoup réfléchi aujourd'hui sur beaucoup de plateformes, Amazon, ainsi de suite, copie le programme que moi j'ai édité. Et ces programmes devaient être aussi bénéfiques pour notre pays, partant de Moamba, partant de Moamba pour Kinshasa, ainsi que d'autres 25 autres provinces. Sur le plan économique, il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle l'assainissement économique, dans la mesure où, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, nous mangeons n'importe quoi. Sur tout le plan, il y a ce qu'on appelle la contrefaçon. Imaginez Wemba, le jour que Wemba est décédé en Côte d'Ivoire, le lendemain, on a vu que les habits que Wemba est était décédé était avec, déjà dans les gens. Était déjà dans le genre. Hein? C'est tout le monde qui portait. La contrefaçon, à outrance. Et à tous les niveaux. Même sur le plan pharmaceutique, nous consommons n'importe quoi. Et moi, je propose autant de remèdes qui pourraient permettre d'abord qu'on renforce la loi sur la propriété industrielle et aussi qu'on arrive, n'est-ce pas, à pouvoir créer des agences connexes avec une protection légale qui pourra petit à petit éradiquer la contrefaçon. Et nous avons cette formule-là. Et vous avez cette formule-là. Tout à fait. Restons un peu dans ce que vous proposez, notamment la contrefaçon. Qu'est-ce que vous pensez faire exactement? On sent que vous avez un souci de protéger la population sur ces plans-là. Quelles sont les mesures concrètes? Vous pensez, lorsque vous êtes élu, député, pouvoir proposer des lois ou tout simplement interpeller l'exécutif comme cela se fait généralement? Dans tous les cas, nous sommes déjà préparés, que ce soit pour les interpellations, puisque ça fait partie du rôle de député, puisqu'aujourd'hui les gens votent par ignorance. Ils pensent que quand on est candidat, le candidat qui doit être voté doit nécessairement amener n'importe quoi, le petit rien, le petit geste qui en principe, ne résout pas le problème de député au départ. Le député est là comme envoyé de la population pour apporter des solutions aux problèmes et aux phénomènes que nous vivons, pour amener ne fût-ce que ce que nous appelons le développement. Et le développement, croyez-moi, comme mon thème de campagne, c'est le socle de tout développement, du décollage même de la nation. Et donc, pour moi, toutes ces propositions, que ce soit les interpellations et toutes ces propositions, dans ma JBCR, j'en ai plein. J'ai plein de lois qui seront présentées pour la bonne marche. Non seulement que cela sera, puisque dans ce pays, on en a connu, il y a plein de lois aussi, il y a beaucoup de lois, mais il y a un problème aussi d'exécution. D'exécution. Donc tout ça, nous avons de remèdes. Et dans la logique d'action, puisqu'il faudrait naturellement que la loi soit accompagnée des actions, nous allons proposer des agences à l'exécutif qui vont générer des recettes pour le pays. Vous savez, rien qu'avec l'assainissement, par exemple sur le plan environnemental, nous pouvons gagner 14 millions rien que pour la ville de Kinshasa, le mois, de dollars. Imaginez que cela se fait dans toutes les 26 autres, disons, dans l'ensemble du pays. C'est des manques à gagner que l'État ne sait pas capitaliser. Vous avez également ce qu'on appelle la nouvelle procédée dans l'agriculture, ce que nous appelons le biochar. Le biochar, ce sont des déchets qui proviennent, ce qu'on appelle communément les déchets agricoles. Ces déchets agricoles, au jour d'aujourd'hui, peuvent être utilisés en lieu et place des engrais chimiques. Et les études ont démontré qu'il y a des endroits qui ont été désertiques, qui ont utilisé les biochars et la terre a produit. Donc, avec ces nouvelles procédés, qui sont aussi des procédés écologiques avec l'actualité mondiale, tout à fait, ça va nous permettre avec le biocarbone de gagner plus. Donc, vous voyez, mon plan d'assainissement amène beaucoup de réponses
dans la globalité. Mmh. Et Moamba, en tant que natif de Moamba... Est-ce que vous-même, vous restez à Moamba? Parce qu'on a des cas où la plupart des candidats, ils restent à Lukonga, ils restent à Gombe ici, et puis il va postuler à Tchangou, à Moamba, à la Funa. Est-ce que vous-même, vous êtes un habitant du Moamba? Merci beaucoup, je suis notable. Notable, plus qu'habitant. C'est au-delà. Donc, il y a des quartiers, il y a des endroits où on m'appellerait même chef coutumier, puisque ça a été loti sous mes yeux. Voyez-vous? Donc, on doit comprendre que l'espace dans son ensemble, c'est le Congo. Que vous soyez candidat de Moamba, que vous soyez candidat de Tchangou. Mais ceux qui vont vous élire... Nous serons tous nationaux. Évidemment, mais la question ici, la préoccupation de vos électeurs, c'est que lorsque on choisit Jean-Claude Kabengele comme notre député à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? C'est ça la question. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous allez voter des lois qui vont bénéficier à l'ensemble du pays. Ils ont besoin de savoir ce que vous allez faire qui va directement impacter leur vie. Naturellement, quand je parlais de manière macro, c'était pour donner une vision globale en tant que député national, une fois élu. Mais en général, quand on vient de Moamba, déjà sur le plan local, vous verrez que quand on parle de l'assainissement, en créant des agences, ceux qui seront bénéficiaires, d'abord avant tout, c'est les ressortissants de Moamba. Par exemple, quand nous avons besoin de jeunes pour aller, je risque de dévoiler même le plan. Allez-y, allez-y. Hein? Donc, ils ont besoin de le savoir. Mais au jour d'aujourd'hui, on va former même des inspecteurs dans le cas des agences qui vont lutter contre le produit contrefait, n'est-ce pas? Et ces agences auront besoin du personnel. Et ces personnels sont avant tout les natifs ou les ressortissants du Moamba qui soutiennent déjà leurs candidats. Donc, puisque moi, mon entendement, je veux dire que Dieu, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde, il a donné tout à l'homme, mais il a dit, l'homme mangera de la sueur de son front. Ça veut dire autrement que les députés véritables ne viennent pas pour donner 1000 francs, ne viennent pas pour donner les t-shirts, ne vient pas pour donner un verre de bière ou promettre des choses sans pour autant avoir de fondement réel. Le député, c'est celui qui met les jalons pour que les ressortissants ou ceux qui sont avec lui, ceux qui le soutiennent, ses électeurs, soient, n'est-ce pas, se retrouvent à travers l'emploi. Parce que c'est à partir de l'emploi que chacun aura sa part. Puisque dans mon entendement, l'État, c'est nous tous. L'État, c'est moi, Jean-Claude Nkunda, 141 de Moamba. L'État, c'est Patrick Tshilumba. L'État, c'est Lumbala. Merci. Et l'État, c'est celui qui nous suit. L'État, c'est tout le monde. Si nous choisissons Kunda Kabengele, 141 à Moamba, ou quelqu'un d'autre que lui, la charge que cette personne aura, c'est de redistribuer le bien collectif qui appartient à tout le monde de manière équitable. Or, l'équitabilité reviendra à faire en sorte que chacun ait un coin de revenu, c'est-à-dire un travail, l'emploi. C'est là où le vrai député doit songer sur ses électeurs. Ce n'est pas sur un besoin qui est éphémère, mais sur le long terme. Voilà un peu les recettes qui doit naturellement faire une ligne de démarcation. Nous avons un pays qui est un bébé pour nous. Nous devons sauver ce pays comme a fait le chef de l'État. Et petit à petit, nous voyons comment nous sortons de cette arriération, nous sortons de cette dépendance que j'étais en train de dire dans mon postulat de départ. Et nous sommes en train de voir maintenant une nation en train de germer, d'avoir une fondation. Et peut-être pour le deuxième mandat avec les députés comme nous, derrière le chef de l'État, nous allons maintenant faire monter le mur pour une maison habitable. On va arriver justement à la question du chef de l'État, que vous soutenez d'ailleurs. Tout ça, c'est très bien. Vous avez beaucoup de choses dans votre gibecière. Mais comment vous faites pour faire passer ce message-là sur les terrains auprès de vos électeurs?
Oui, nous avons commencé depuis 2011, 2018. Les élections se préparent, ce n'est pas au moment des élections. Nous avons déjà une base à 6. Je vous rappelle que je suis l'un des responsables de RENECO, Regroupement National des Entrepreneurs pour l'émergence du Congo, qui est aujourd'hui dans toute la République, avec un nombre aussi élevé, puisque l'idée c'était de formaliser ce qui était à l'informel, de faire en sorte qu'il soit en contact avec l'État pour que finalement il soit répertorié et ceux qui étaient des agriculteurs, ils se regroupent en groupes de communautés économiques, de 10, de 20, ainsi de suite. Ils ont des documents, ainsi de suite. Ça permet maintenant qu'ils soient les interfaces valables vis-à-vis des partenaires pour des subventions, pour des formations, ainsi de suite. Donc ce sont des bases réelles qui existent et qui font passer aussi l'information. Et il y a également le partenaire que vous êtes. C'est une chaîne que je remercie puisque j'ai été appelé, j'ai été invité. Et je profite aussi pour dire que ce sont des chaînes qu'il faut soutenir. Hein? Il faut soutenir des chaînes comme celle-ci, des chaînes thématiques qui parlent sur des faits réels, de choses importantes. Et c'est comme ça que moi j'ai été séduit de venir. Et parce que si vous regardez, nous avons autant de chaînes de télévision, du matin au soir, vous verrez qu'il n'y a rien de concret. On est plus dans de superfétatoire. Voilà, nous sommes heureux de dire que la base qui nous suit à travers votre chaîne est aussi avertie. Et nous sommes là pour leur dire que le numéro 141, Moamba National, est le numéro favorable. Et le numéro qui apporte l'espoir, et le numéro qui va faire la différence, puisqu'on a vu même la législature qui vient de passer, où il y a eu même des carences de loi. Donc, ce n'est pas la qualité de justement, loi. Justement, c'était ça la question que j'allais rebondir avec. Mais la qualité. Comment vous avez jugé cette législature-là? Patrick, ça me fait mal. Quand on parle de loi sur le chien, d'éducation de chien. Ouais. Mais dis-moi. On est où? Ça veut dire qu'il y a des lois qui vont s'attaquer aux appétits des gens. Donc, on doit naturellement renouveler la classe politique. On doit remonter le niveau de notre Assemblée nationale avec des personnes qui représentent la valeur sûre de la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, le pays de Kasavubu, le pays de Mobutu, le pays de Tshen Tshisekedi du Wamulumba, le pays de Mzee Laurent Désiré Kabila, le pays de Félix Antoine Tshisekedi, le pays de Kunda Kabenge, les 141, le pays de Patrick Tshilumba, le pays de nous tous. Nous n'avons qu'un seul bébé. On n'a pas deux bébés, on n'a qu'un seul bébé qui est convoité partout. Donc nous devons déjà à l'intérieur se choisir le meilleur d'entre nous pour que ce meilleur d'entre nous forme la crème. La crème du noyau qui va drainer le vrai changement. Le noyau qui va drainer le vrai changement en République démocratique du Congo. On va revenir dans votre circonscription, mais parlons un peu au niveau national, la grande élection, donc la présidentielle. Vous soutenez le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous faites pour sa réélection? Déjà, le chef de l'État, c'est un champion, puisqu'il m'a beaucoup séduit, personnellement, puisque j'ai observé pendant un temps, il a parlé de déboulonnement du système. Quand on parle de déboulonnement du système, c'est tout un processus. Et nous avons compris qu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons maintenant les effets du déboulonnement du système. Tout est réellement livré au grand public. On se voit là où il y avait la zone d'ombre, on se voit là où il y a la lumière, sans pour autant dire on vient d'où, on est où. On vient d'où, on est où. Et vous pensez, face à d'autres candidats majeurs aussi, à la présidentielle, comme Moïse Katumbi, Martin Fayulu ou Denis Mukwege, Félix Tshisekedi peut s'en sortir? Ce sont de candidats... ils ont leur droit, c'est un droit reconnu à la Constitution. Donc, on pense qu'ils vont jouer leur jeu. Ils sont en train de jouer leur jeu, mais ils sont très loin de Félix. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Puisque ce sont tous des rêveurs. Tous des rêveurs. Ce sont des rêveurs, je veux dire, puisque
ils sont en train de vendre le rêve, qui n'est pas encore une réalité. Mais Félix vit la réalité. Donc c'est deux mondes différents. Ce sont des rêveurs, puisqu'ils viennent vendre le rêve. Nous allons faire ceci, nous ferons cela. Mais ils n'ont pas encore palpé la réalité. Mais par contre, Étienne Tshisekedi, plutôt Félix Tshisekedi, notre candidat numéro 20, il vit la réalité. Et d'ailleurs, il a déboulonné le système. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Seulement, je pense que pour être aussi dans la réelle politique, nous qui aspirons au vrai changement, nous pensons que quand c'est bon, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment au social, puisque nous, la base réclame le social, nous sommes avec la base, et je sais qu'après la construction, il y aura maintenant à manger. Et il y a un moment pour tout. Je pense que bientôt, avec le deuxième mandat, le social sera vraiment mis au point. Et même au cœur de l'action, de l'action de l'Union sacrée. Revenons maintenant à Moamba. Cette population, cette contrée de Kinshasa, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'elle a besoin d'eau, elle a besoin d'électricité, elle a aussi besoin de l'amélioration du social, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Qu'est-ce que vous prévoyez faire de manière, on va dire, urgente pour pouvoir pallier à ce problème-là, une fois élu, élu député national, parce qu'on sait que ventre affamé ne s'est pas patienté pendant longtemps. Vous, en tant que député national, vous regardez votre population avec vos électeurs du Moamba, avec tous ces problèmes, qu'est-ce que vous faites? Je crois que d'abord, on doit naturellement rester dans la logique des choses. Le député, c'est le député pour le loi. Évidemment. Mais vous avez le pouvoir sur l'exécutif. Le tout à fait. Pour le pouvoir sur l'exécutif, nous allons stimuler, nous allons mettre le bâton pour que les choses aillent dans le sens du social. C'est ce qui dérange, le social. La population a faim. Ça dérange. Non seulement l'exécutif, mais comme je l'ai dit dans mon postulat de tout à l'heure, nous tous, nous formons l'État. Moi, en tant qu'ancien responsable des entrepreneurs, je dois naturellement aussi initier des projets avec des investisseurs pour créer, tant soit peu pour mes électeurs, des entreprises, des sociétés qui eux aussi m'attendent que je sois au Parlement pour qu'ils fassent, que ça soit aussi un pont pour qu'ils viennent installer leur société ici. À travers ces pouvoirs que la population va me donner, je vais aussi profiter de ce pouvoir, faire en sorte que les investisseurs qui sont avec moi viennent, installent des sociétés en faveur de mes électeurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes monsieur Jean-Claude Nkunda Kabengele, numéro 141, députation nationale dans la circonscription des Moamba. Je vais vous donner une minute maximum. Vous regardez la caméra juste en face de vous pour lancer un message en Lingala à votre base du Moamba. Deux minutes. Ba papa, ba mama, ba ndeko nyonso ya Moamba, na lobi na lopoto, me nazolo ba muke na Lingala. Tango ezali susu na distraction te. Na sangisi mwa français, bino bongo boyebi. Toza susu na tente ya ko perdre. Oyo ndeko na yo, leader na bino, c'est pour la troisième tentative. Na 2011 nazalaki candidat, ba noma kingate. Na 2018 nazalaki candidat, ba noma kingate. Lokola président oyaye oya koti siko azali mutu na biso to bundaki na ye kala to yebi ke mbala oyo yo tango ko voter resultat oyo ko bima soki o votaki nga ngale pe na ko bima kaka yango na sengi na bino bo simba numero 141 bo lata yango bo mela yango bo vana yango na mitema na bino po solution atanga ngai mo kote na nzambe to ko kokisa. Merci beaucoup. Na bandera lisusu. Basali nga signal. Batata ba mama bandeko nyonso. Chama to inayo ngonga ekoki. Nazalaki kandida na 2011. Banoma kangate. Na eko cha lisusu na 2018. Banoma kingaite. Me mbala oyo
na tchelu sous na 2023. Chiffre 3, il y a oyo ya biso ezali résurrection po mbalamisa tu na eko tchelu sous na lembite po na ebike Congo toza na ngoka moko. Ngai po na ngai nzamba lobaki bokonzi ya likolo ezali lokola ba talent. Okozwa talent na yo te otia yango na se ya mabele, okosalela yango. Ngai pe na bombi yanga te. Na saleli yango, na tchi yango na misu na bino po bino bo koma po nga mokolo wana Nzambe akotuna nga na woloba nga na sala ki par nanga yope sala par Nzambe apambola bino 141 mo amba tokozela yango ti le 20 décembre. 141, députation nationale circonscription de Moamba, Jean-Claude Nkunda Kabengele, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau de l'heure du choix sur Ecofin Télévision. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation et je crois que le Seigneur est content. Merci beaucoup une fois de plus. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très vite avec d'autres candidats à cette élection de 2023 en RDC.